Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel unboxing de chez DAC. J'ai craqué avant les vacances, vous reconnaissez la couleur, le petit sigle carré. Comme vous le voyez, elle fait la largeur de ma table, donc c'est une très grande toile. Alors, toujours de mon artiste chouchou, mais il n'y a pas de dragon sur celle-ci. Oh, attendez, j'arrive. On va le toolkit déjà. Voilà, la bête. Alors, le toolkit, oui, un nouveau toolkit. Alors, voyons voir. Alors, tac. Bon, bah alors, tu veux pas sortir? Parfait, voilà. Donc, les petits sachets zip dans un sachet zip, donc ça, parfait. Le petit stylo vert, j'adore, il est trop beau. Alors, aujourd'hui, avec la lumière de merde... Tu veux pas? Voilà. Le petit stylo qui est vert, pailleté, avec sa petite mousse assortie. Nous avons toujours les cires en forme de cœur dans leur petite boîte pour éviter que ça sèche. Alors, nous avons une pince. Oh là là. C'est plus pointu que d'autres que j'ai déjà eu. Après, moi, je vous avoue que les pinces, j'en ai commandé pas mal sur Ali, que je kiffe. Alors, nous avons les deux multiplaceurs. La barquette. Alors là, c'est une des barquettes rigides. Il y a deux modèles. Il y en a une qui est rigide et cassable, comme celle-ci. Et l'autre, où c'est un petit peu moins rigide, on va dire. Ah, alors là par contre je vois que il va falloir que je colle. Alors, c'est dommage, il est beau. Il va falloir que je colle l'aimant parce qu'il a été mal collé. Et c'est un papillon violet. Il est magnifique par contre. J'aime beaucoup. Et nous avons un washi tape fleuri. Bon, par contre je ne sais pas quelle taille fait le washi. Je ne sais pas s'il fera le tour de la toile, mais ceci dit, j'en mets vraiment que quand ça dépasse. Hein. Alors, on va faire tomber. Boum, boum. Les deux. Oui, les deux paquets de diamants. Donc, voilà. La petite bête. Les couleurs assez peps quand même. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors là, comme elle est énorme, je pense que le plus simple, c'est que je vais vous... D'habitude, je vous la retourne face cachée. Là, je vais vous la dérouler directement dans le bon sens. Ça sera moins galère pour moi. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Celle-ci, je n'avais pas pu la prendre quand elle était sortie. Et là, j'attendais, ils nous avaient prévenu qu'ils allaient faire beaucoup de restock et qu'elle allait en faire partie. Donc j'ai dit, c'est mort, là, cette fois, je la prends. Alors, vous voyez, tiens, pff, même pas je l'ai en entier. Là, 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 là. Donc, cette petite toile de Randall... Elle fait 70 de large par 1,18 m de haut. Et c'est le château enchanté. Donc ce que je vous disais, c'est que ça changeait un petit peu. Nous n'avons pas de dragon sur cette toile. Mais nous avons des petites fées. Alors je vous montre sur l'image. Voilà, regardez-moi cette beauté. J'adore. J'adore, j'adore.
Donc là, vous avez une fée ici, le clair de lune, et là, pareil, vous avez plein de petites fées sur le chemin. Donc il y a 51 couleurs. Ah oui, nous avons 5 AB. Magnifique. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui découvriraient DAC, vous avez le petit autocollant que vous pouvez coller sur le côté ou le cul de votre boîte, si vous suivant comment vous les rangez. Voilà, c'est une toile, il y avait une pince, et je vous l'ai montré en début de truc, en diamant carré. Alors, les AB. Attendez, il y en a un là. J'ai un petit peu de 310 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paquets de 310. Alors, ici, alors, il y a le AB rouge. Bon, vas-y, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Le AB rouge ici. Là, vous avez le jaune. Le jaune devant celui-là. Ah, là, vous avez le vert clair. Le violet, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, vous avez le violet. J'ai fait violet, vert, jaune, rouge. Rouge, violet, vert, jaune. Ça, c'est un peu l'étoile, c'est là. Ce qu'il est dans l'autre. Ah oui, j'ai même pas besoin de vous le sortir. L'autre violet, AB, qui est plus foncé et il y en a beaucoup plus. Il est là dans l'autre sachet. Donc, bah, beaucoup de marron, de vert, hein, entre le château qui est marron et tout le paysage environnement rempli de verdure. Voilà. Je ferme ça. Voilà. J'espère que je vais réussir à les faire rentrer. Elle est magnifique. Franchement, elle est... C'est un monstre, mais elle est encore plus grande que la Christmas Morning. Mais celle-là, ouais. Ouais, tellement, tellement sublissime. Mais ouais, la Christmas Morning, j'avais mis 3 mois pour la faire. Donc là, celle-là, c'est-à-dire qu'elle mettrait au moins 3 mois et demi à faire en ne faisant que celle-ci, bien sûr, sans autre toile à côté. Oh là là, mais elle est tellement belle. Après, c'est pareil, hein, c'est... Vous voyez, là, il y a quand même... Les dessins sont quand même retravaillés, donc pour les faire, vous avez là, vous avez des lignes, là vous avez des colonnes, donc ça permet quand même d'avancer assez vite. Hein. Il n'y a pas d'énorme, même si ça peut paraître comme ça. Alors il y a un peu de confetti au sens où dans le toit, bon, vous avez des lignes 310, et après vous avez quand même plusieurs couleurs qui s'intercalent, mais je veux dire là, pareil, tout ça, là, c'est des lignes, des lignes, des lignes. Donc ça, avec la pince, franchement, ça va assez vite. Hein. Il y a juste en haut, vous avez un peu de bloc, là, du coup, pour le ciel, évidemment. Alors, par contre, je vais pas, je pense, vous dire où vont les AB, parce que ça va être, la toile est tellement énorme que je suis pas du tout sûre de pouvoir repérer... Bah, le 5 pour le vert, vous en avez en bas. Clairement, il y en a en bas là dans la verdure. Là, le jaune pâle, vous en avez là dans les petites fées. Là, vous avez un peu de rouge ici dans les rouges, là aussi. Là aussi, dans les fenêtres, un petit peu. Oui, là, ils en ont mis un petit peu dans les fleurs qui sont au balcon. Est-ce qu'elle, elle en a? Non, elle a du violet. La fée d'en haut, elle a du violet.
Elle a du violet dans son... sur sa tenue. Là, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas. Alors, moi, je mettrais peut-être du jaune dans la lune. Du AB. Je rajouterais peut-être du AB jaune dans la lune, par contre. Enfin, voilà. C'est, je pense que pour toutes les couleurs, elles sont un petit peu dispatchées à droite, à gauche. Donc, ça va être un peu compliqué de vous montrer exactement où c'est. Mais voilà. Je pense que, franchement, elle est énorme. Elle est splendide. Donc, vraiment, voilà. Un amour. Je suis ravie d'avoir réussi à la voir. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Franchement, elle est... Oh, ça en jette. Hein. Regardez-moi ça, ce monstre. Il est magnifique. Magnifique. Celui-là, il va aller à côté du feu d'artifice dans ma chambre. Clairement, quand je l'aurai fait, je sais pas quand. Ça, c'est... Voilà, c'est la question. Mais, en tout cas, c'est clair qu'il sera affiché tellement il est énorme. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous !